Salut tout le monde! Il est l'heure de revenir à Surelex! Et ouais, il est 8h du matin. Le temps de se connecter avec un petit café là. Pour attaquer un peu de survie sur ou d'exploration sur Magalan. Maintenant qu'on s'est acheté une armure. Alors, je vais commencer par donner un petit peu un ressenti sur le jeu. Donc, c'est l'épisode numéro 11. J'ai à peu près 12 heures de jeu, là, sur Ilex. Donc, je peux pas faire une review pertinente et complète du jeu, hein, évidemment. Mais, je peux quand même commencer à voir certaines choses qui se dessinent sur le jeu. C'est un jeu qui a un lourd héritage de Gothic de Risen, premier du nom. Plus de Gothic, je dirais d'ailleurs, que de Risen. Et ce jeu, avec son héritage, est tout à fait bon. Cet héritage, je pense qu'il est tout à fait assumé. Il y a beaucoup d'excellents mécanismes sur ce jeu. Mais il y a quand même certaines différences très notables. En dehors de l'univers en lui-même, hein, bien évidemment. L'une des différences très notables, c'est que le bash, ça rapporte rien. Genre pour l'instant, tout ce que je bash, c'est des mobs à 5 ou 10 XP. On dirait, mais sur Risen, c'est la même chose au départ. Oui, mais sur Risen, assez rapidement, t'arrives quand même sur des mobs à 20, 30, 40 XP. Et les quêtes rapportent 400, 600, 800 XP. Je veux dire, sur Risen, les quêtes rapportaient pas autant d'XP non plus, me semble-t-il, en début de jeu. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas... L'un dans l'autre, on n'est pas sur du... Sur quelque chose de comparable. On va dire l'XP de bash par rapport à l'XP de quête semble être ridiculement faible. Et ça, par rapport à Gothic 3, par exemple, c'est une révolution. Sur Gothic 3, l'XP de bash est très important. Et vous allez faire la quasi... Bon, une très grande majorité de vos quêtes, de vos niveaux, dira-t-on, sur le bash. Il y a énormément d'ennemis à basher, et ils rapportent plutôt pas mal d'XP. Donc c'est sûr que par rapport aux quêtes, je veux dire, vous bashez 7 ou 8 mobs, et ça rapporte autant d'XP qu'une quête. Là, vous bashez 7 ou 8 mobs, ça fait 150... Encore que j'ai 150 XP, c'est plutôt des 50 XP. Et 50 XP, il n'y a aucune commune mesure avec une quête qui, elle, va vous en rapporter 400, 600, 800. Donc les quêtes sont vraiment... À mon sens, pour l'instant, au moins au début de jeu, au cœur du gameplay d'Elex. Les 7 premiers niveaux, les 7-8 premiers niveaux, franchement, le bash vous rapportait que dalle, mais que dalle. Donc, grande prédominance des quêtes. T'es où, toi? Ah, Crony, il est dans le pit? Non, sérieux? Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire comme quête aujourd'hui? Tuer les Albes affaiblis? En tuer les Albes? Ouais, bah les Alpes, je vois où ils sont, mais je suis pas prêt de les tuer, là. Akira est inquiète au sud. Stormson! Yeah, Stormson! Il me semble que Stormson, il est largement au nord, là. D'ailleurs, je vois pas pourquoi Stormson serait au nord, puisqu'il est censé aller dans la vallée. Il est censé être envoyé dans la vallée des exilés, là. La vallée des exilés, c'est ici. Donc. Pourquoi Stormson serait-il par là? Déjà, là, il y a quelque chose qui, pour moi, colle pas, là, vous voyez. Mais effectivement, vous voyez, c'est là. Ça, c'est plutôt Abessa, là-haut. Vous voyez, la région qu'on appelle Abessa. Ici, c'est la région Edan. Là, c'est la région Aasvata, là, je sais pas quoi. Là, c'est Ignadon. Là, c'est Xekor.
Et là, c'est la région un peu neutre, Abessa. Dans des forums, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui conseillent de commencer par aller plutôt à Abessa, d'ailleurs, si vous voulez faire du bash, parce que le bash a l'air d'y être plus facile. À titre personnel, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. De toute façon, en quête, là, pour l'instant, j'ai rien d'autre à faire, hein, que je crois. J'aimerais juste regarder un truc chez. Ah, j'aimerais aussi tester un bouclier. Ouais, je fais la remarque hier. Parce qu'un bouclier, si vraiment ça peut knockdown les ennemis, ça peut être très précieux. Ok, ça tape pas, mais le crowd control est parfois plus intéressant que le DPS. Est-ce que c'est le cas sur ce jeu? Il faut voir. Non. Toi, t'as rien de plus à nous dire. Heed the laws, ouais. Ok, mais je vais suivre les lois, hein, t'inquiète pas. Loi et ordre, tout ça, tout ça. Putain, mais comme ces armures sorties tout droit de Skyrim, quoi. Là, les gars, ils ont un peu déconné. Je vois, ils ont un peu déconné. Bouclier de guerre. Yeah. Le bouclier de bois, le bouclier de bois. T'as même mon bouclier de bois, je peux pas l'acheter. Enfin, crame, monsieur. Oh, pardon. Alors, au prochain niveau, qui va arriver bientôt, je tâte donc à augmenter la constitution. Donc au niveau des skills, qu'est-ce que je vais prendre par la suite? Je pourrais prendre crochetage 2. Ça pourrait se faire. Au prochain niveau, je pourrais effectivement y en arriver là. Arme de corps à corps, il faudrait que je booste tellement ma force, on est ridicule. Puissance d'attaque, si je mets 5 en force. Je peux. Mais ce que j'aimerais vraiment augmenter. C'est points de vie supplémentaires. Toutefois, notez comme moi aussi j'ai le syndrome Pierre Nabytes. Toutefois, avec leur bot. La moitié des phrases dans ce jeu, elles commencent par bot. J'aurais pas été contre une petite quête de plus, tant qu'à faire. Hello, dude. Tu vends quoi, toi, comme shield? Bouclier de guerre. Ouais, c'est ça, c'est le problème, bouclier de guerre, quoi. Qu'est-ce que je shoot avec un bouclier de guerre, quoi? Ça coûte 500 gold, hein? Bon, je veux dire, de gold, j'en ai quand même. Bon, si je gagne en constitution, ça pourra être utile. Toutefois, pour gagner en constitution, il y a quand même un truc. Je regardais quelque chose. Parce que... Des choses à regarder quand même sur ce jeu. Alors, Akon, le gros con. Non, il n'est pas là. Akon, le gros con. Il est pas là, con le gros con. Le mec qui va me faire à la gueule. Je suis sûr qu'il va réussir à me faire à la gueule parce que je vais pas balancer les Albs, renégat. Alors que lui voulait les buter, ce connard. Au lieu d'essayer d'en faire des alliés alors qu'on a besoin d'alliés. Enfin bref. Enfin, on. Il a besoin d'alliés puisqu'officiellement je fais pas partie des Berserkers pour l'instant. D'ailleurs, j'ai bien bossé pour Berserker, mais je vais pas attarder à changer de zone, puisque là, comme vous voyez, je commence à ne plus avoir de quêtes, et comme je le disais en introduction, sur ce jeu, c'est plus les quêtes qui donnent l'XP que le bash. J'aimerais trouver une recette de petites potions d'Elex. Tu vois, toutes ces plantes médicinales, c'est pour faire une potion de guérison directement. Mana potion, donc ça, il me faudra. Il faut que je m'achète du vin. Techniquement, il faut que je m'achète 18 vins, visiblement.
Oh, nice. Alors, premier plantage d'Elex. Donc je disais, je cherchais un certain nombre de choses. Tout d'abord, les fabrications des petites potions de guérison à base de petites herbes médicinales. Petites herbes médicinales, j'en ai qu'une, donc cette recette pour l'instant n'est pas extrêmement intéressante. Toutefois, ça, les fabrications d'une potion de guérison, c'est plutôt important, je pense, à terme. Donc on va le prendre. Et ce que je cherche avant tout, c'est à me trouver la recette de la petite potion d'Elex. Ou des potions d'Elex tout court. Enfin bref, voilà. J'ai pas trouvé de recette de potions d'Elex. Et j'ai envie d'aller jeter un oeil chez le marchand chelou, là, Alric. Je me dis, ça pourrait tout à fait être le gars, genre de gars qui vendrait ce genre de truc. Parce que l'Elex étant mal vu ici. Imagine que potion d'Elex, c'est pas forcément très bien vu non plus. Et donc, qui peut m'en fournir si ce n'est Alric? N'est-ce pas? Putain, mais on est envoyé par les mouches. C'est un truc de fou. Alors. Là, il faut que j'achète 18 vents. Tiens, il y a la. Il semble qu'il y a la taverne à côté. Et après, il faudra que j'aille chez Ragnar pour faire des potions de soins. Du vin. En vérité, tout ton vin. Je suis en train d'y passer tout mon fric. Dans ces conneries, mais. C'est vraiment des conneries parce que faire des potions de soins sur ce jeu, j'ai l'impression que c'est un peu essentiel. Oh, mais il fait des potions d'Elex tout court, lui! On va acheter quelques rossignols. J'ai pas vu le prix des rossignols. Bon, c'est pas grave. De toute façon, à un moment donné, il faut bien en avoir. Donc, si j'ai bien compris, il me faut de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Donc, il va falloir que j'aille en acheter aussi. Je vais plus avoir une thune, moi, après toutes ces conneries. Ouais, ok, je note. Potion d'Elex, il faut deux alcools pour un Elex brut. Parce que ça donne 2 points de skill, vous voyez, et des potions d'Elex, je peux en faire 2. Donc je peux m'offrir 4 points de carac. Et c'est con parce qu'il m'en manque un. Une potion de guérison, la petite potion d'Elex, ça fait quoi? Ça fait 100 XP, je pourrais en faire 5, bon, ça n'a aucun un intérêt. De l'alcool, il faut que j'en achète 6. Et il faut que je fasse de l'élex brut. De l'élex pur ou brut ou je sais pas quoi. C'est con parce que moi, ce qu'il me faut, c'est 5 points de compétence. 5 points de carac. Là, je peux en faire 4. Ça, c'est le truc vraiment rageant. Genre, vraiment. C'est quoi tout ce regroupement-là? Alcool. Ça coûte 25. Si j'en achète 30, ça me coûte 750. Ouais, bah non. J'ai dit, j'en veux 6, l'alcool.
Ensuite, on va chez Ragnar. On va fabriquer des potions de soins et des potions d'Ilex. J'espère que les potions d'Ilex ne vont pas me rendre dépendant à l'Ilex. On le saura assez vite. Donc ça, ce sont déjà des potions de type permanente. Vous savez, les potions qu'on fait normalement sur Gothic Horizon quand vous avez 3 sur 3 en alchimie. Et ce qui sont les potions les plus importantes du jeu parce que sont celles qui vont requérir des fleurs qui n'existent qu'en quantité très limitée sur le jeu. Sur Risen, je crois que c'est des oseilles royales ou des trucs couronnés là. Il n'y en a qu'une vingtaine sur le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Petite potion d'Ilex, non merci. Potion de guérison, petite potion de guérison déjà. Ensuite, si on regarde les potions de guérison en elles-mêmes, il faut du vin et des plantes médicinales. Voilà, donc j'ai fait la blinde de potions. Des potions d'Ilex, puissantes potions d'Ilex, alcool et Ilex brut. Donc je peux les faire à partir de ça, soit à partir de Ilex brut et petites potions d'Ilex. Il faut deux potions d'Ilex, plus deux Ilex brut, deux petites potions d'Ilex, ça fait 4, ça fait 6, non, ça coûte beaucoup plus cher en... Parce que là, en Ilex brut, il me faut 4 pour toute la potion, alors qu'avec l'autre recette, il faut 2 petites potions, ce qui fait déjà 4 plus 2 Ilex brut, ça fait 6. Donc là, j'ai une recette qui est plus intéressante. Alors, bah là où c'est boulé, c'est que je voudrais passer à 30 en force et à 30 en constitution, mais il manque 15. Point d'attribut. Avec cette potion, je peux en faire 4. Avec mon niveau qui va arriver bientôt, je vais en faire 10. Manque de bol, je peux en faire 14. Donc, il y a une chose sur laquelle je vais devoir patienter. Je pense que ce sera la force. De toute façon, force 30, c'est pourquoi? Pour ça, puissance d'attaque. Je peux attendre un peu. De toute façon, j'aurai pas assez d'argent pour tout me payer. C'est pas faux. Donc je vais quand même les prendre, ces points. Je vais les mettre en constitution en attendant. Ah mais j'en ai trois des potions d'Elex. Je sais pas d'où elle sort la dernière, mais cool. Cool. Potions de guérison, j'en ai 28 les enfants. J'en ai plus que des petites potions de guérison. Donc je vais les mettre là. Je suis donc maintenant avec 51 potions de guérison. Une vétille. Je trouve que sur ce jeu, vous allez vraiment facilement et rapidement en avoir une chier des potions de guérison. Donc ça me laisse furieusement penser qu'effectivement, vous allez en consommer une chier. Après, clairement, on est vraiment sur un jeu Piranha Bytes, au sens où, sur le jeu Piranha Bytes, vous avez une vingtaine de points de compétences qu'on pourrait juger comme très importants, voire essentiels au gameplay. Donc les points qui vont augmenter les dégâts au corps à corps, qui vont donner un peu d'encaissement, ouais, des choses comme ça. Les points en crochetage et en alchimie. Ces points par rapport à la manière dont on joue, ils sont effectivement très très importants. Et du coup, en fait, les premiers niveaux, les 20 premiers niveaux, tu as envie de prendre plein de skills différents parce que y a plein de choses, trucs et tout bien à apprendre. Et puis arriver là, après.
Eh ben, les skills qui restent à côté, bah c'est sympa quoi, mais c'est moins essentiel. Donc tu sens vraiment une espèce d'urgence à prendre un certain nombre de skills, et en général c'est jusqu'au niveau 20-25, et pas sur Gothic 3 quoi, sur Risen c'est jusqu'au niveau 15 à peu près. Mais il faut pas oublier que sur Gothic 3 et Risen, il y a aussi la nécessité d'augmenter ses stats via les skill points. Là, vous augmentez pas vos stats via vos skill points. Du coup, vous concentrez plus vos points de compétences sur les compétences essentielles. Mais je pense qu'il va falloir attendre au moins le niveau 20 avant d'avoir un jeu de compétences qui soit vraiment totalement et intégralement satisfaisant. C'est comme ça que je perçois le jeu. Peut-être la perception est-elle erronée, hein, voilà, mais. Donc je me dis, ce jeu, effectivement, par rapport à la philosophie des jeux Piranha Bytes, il n'est pas décollant. Putain, j'ai cru que c'était un téléporteur. Oh, la fausse joie. Je sais pas ce que t'attendais, le rat, mais. C'était pas très intelligent d'être là au milieu de mon chemin. Donc ouais, parce que là au niveau des skills, j'ai déjà localisé un certain nombre de skills, journal du femme de chambre. Et je me dis honnêtement au niveau des skills, qu'est-ce qu'il me faudrait? Armure bien sûr, donc 3, trophées animaux donc 2 ça fait 5, mon mangeur 1 ça fait 6, sixième centre ça fait 7, point de vie supplémentaire ça fait 8, endurance 2 ça fait 10, au moins là. Arme de corps à corps à 2 ça fait 12. Puissance d'attaque, ça fait 14. Ces deux-là, ça fait 16. Crochetage, ces deux-là, ça fait 18. Modificateur d'armes, ça fait 19. Orfèvre, ça fait 20. Chasse pour gemmes, 21. Et piratage, ça fait 22, 23. Et éventuellement minage. Donc, j'ai au moins 25 skills qui, à mon sens, sont intéressants à prendre. Donc il faut 25 skill points, donc il me faut. Ouais, ça va me prendre jusqu'au niveau 30, hein, si je veux vraiment avoir tous les skills que j'ai ciblés. Bon, j'en ai pour au moins jusqu'au niveau 30. Donc j'espère que ce jeu va nous permettre d'aller à des niveaux vraiment élevés. Parce que sans ça, j'aurai un petit fond de frustration par rapport au personnage que j'ai envie de monter. Alors, ce que font les gens riches quand ils sont ici, c'est toujours fascinant. Il y a toujours quelque chose dans leur monde. Chantier odeur d'un parfum pendant que je faisais le ménage dans la chambre de Monsieur Kingston. Il a dû faire la connaissance d'une dame. Le parfum ne flottait pas simplement dans l'air, il y en avait aussi dans les draps. Il m'a prise à part aujourd'hui, m'a demandé de porter des fleurs à la chambre 9. Elles sont pour Mademoiselle Daisy. C'est elle, sa maîtresse. Elle n'est pas plus belle que moi et elle a constamment l'air attristée, mais les hommes se jettent à ses pieds. J'ai jeté les fleurs à la poubelle. Tout ça est tellement surréaliste. Ces derniers jours ont été un cauchemar. Personne ne peut mettre fin à cette absurdité. Monsieur Kingston s'est enfermé dans le bar avec d'autres hommes. Ils ont tout bu jusqu'à la dernière goutte d'alcool. Les cris et bagarres ont commencé. Je me suis caché dans une chambre vide. Ils disent qu'on est dans l'endroit le plus sûr. S'il arrive quelque chose, j'en suis pas certaine. Cet hôtel est éloigné de tout et les gens sont déjà en train de se rendre justice eux-mêmes. Ok. Toujours des notes de lore sur la fin du monde, quoi. Je continue à trouver que pour un jeu de rôle, c'est vraiment bien. Tous ces bouquins sur le lore. Roquette à fragmentation, voyez-vous ça? Ah ça fait ni gothique ni risen, hein, les roquettes à fragmentation. Hein. Mon falque. Oups là! Oh la gamelle que je me suis pris, putain, les dégâts que j'ai mangés! C'est abusé. Donc je peux aller directement dormir, quoi. Grâce à cette gamelle. Il y a un niveau au-dessus.
Je peux pas y arriver par là. J'ai dit, il faut tout fouiller quand même. On sait jamais. Grenade. Bah, c'est cool, hein. Il n'y a pas un de ces lits qui serait utilisable. Par contre, sur les forums, j'ai bien eu la confirmation de ce que je pensais. Il y a du respawn, hein, des mobs sur ce jeu. Et ça, pour moi, ça va être très, très, très compliqué. Parce que quand tu aimes te promener dans le monde, quand tu aimes l'exploration. Et qu'il y a des mobs tous les 10 mètres, c'est vraiment cool de flinguer tous les mobs et de se dire j'en ai fini avec, avec les mobs, je peux enfin faire autre chose, quoi. Me contenter de me promener, d'explorer, d'aller et venir, parce qu'il y a des quêtes à faire et qui demandent ça. Mais si t'es vraiment obligé de rebâcher les mobs, je veux dire, c'est lourdingue. Ça risque d'être la première vraie grosse idée à la con du jeu. Je veux dire, c'est dommage, hein, parce que t'as 200 gold d'une cartouche de cigarette. Ça c'est un des plus fatals du jeu, la cartouche de cigarette, je dois avouer. Donc ouais, le respawn de mobs, pour moi, ça va être la première vraie idée à la con du jeu. Je le dis, les développeurs, quand ils ont fait ça... Bon, je comprends la logique, hein, de mettre en place un respawn sur ce jeu. La logique, c'est que bah, les mobs fournissent des compos de craft. Et les compos de craft, le problème, c'est que si jamais tu n'as pas pris les compétences de dépeçage avant d'avoir exterminé tous les mobs, et bah, après, tu n'as plus de compos de craft de type griffe. Qui sont utiles sur certains crafts et du coup bah tu t'handicapes. Et quelque part c'est compréhensible parce que sur les gothiques et sur Risen les compétences de dépeçage te permettaient d'avoir du loot bonus, mais du loot qui était à vendre. Les griffes, les cornes, les peaux, c'était juste à vendre, c'était du gold. Apparemment sur Elex, il me semble avoir vu une recette de craft, je sais plus où, qui nécessitait des griffes par exemple. Et ça, j'ai pas encore buté de mobs depuis que j'ai la compétence pour dépecer, mais je suis à peu près sûr que ça va être du loot bonus sur les mobs. Donc, d'une certaine façon, c'est logique et c'est presque souhaitable par rapport à ça, enfin dans cette optique, qu'il y ait du respawn. Mais dans l'idée, le respawn, j'ai toujours trouvé que c'était un truc pour les développeurs feignants, quoi. Je trouve que c'est une erreur monumentale. Donald, merci d'avoir rendu cette faveur. Ça m'a piétiné mes sentiments. Quelqu'un comme elle ne devrait pas participer au projet. Je partirai d'ici demain. Nous reverrons là-bas. Ok. Et aussi, ils étaient dans le projet Ciel Infini, là, ou Cieux Infini. Peut-être. Allez savoir. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment le premier système qui, certes, est justifié, hein. Mais c'est dommage. Alors, je suis pas encore allé voir sur le toit, en fait, ici, moi. Il y a quoi à voir sur le toit? Rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Carreau explosif? Holy shit! Message d'adieu. Ok, donc des gens qui se sont suicidés en buvant du vin empoisonné. Franchement, quand tu lis les histoires comme ça, honnêtement, je trouve que pour l'instant,
On peut pas dire que le lore du monde soit fantastique, hein. Je veux dire, ça a l'air d'être un peu un monde presque générique en post-apo. Mais en tout cas, les histoires personnelles qui te sont contées sont bien, c'est bien fait, quoi. Dans chaque lieu, tu vas avoir un peu l'histoire du lieu. Et ça, effectivement, c'est un petit côté Fallout, quoi, finalement. C'est sur les Fallout, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à connaître l'histoire des lieux que tu visites, finalement. Faire à cet étage-là. Donc ouais, bah je vous cache pas hein, que pour l'instant ce jeu me plaît vraiment beaucoup. Même si je tourne beaucoup en rond, même si j'en chie énormément, je veux dire voilà. Ça fait aussi partie du plaisir d'un jeu. J'ai jamais pensé que parce qu'un jeu est trop facile, il est plus intéressant. Il y a quelque chose là. Ah, petite potion de mana. Yes, j'avais pas vu. Peut-être m'en servirai-je un jour si j'apprends la magie. Mais pour apprendre la magie, j'ai l'impression qu'il va falloir devenir un berserker. Et je ne compte pas rentrer dans une faction tout de suite parce que sinon ça va me couper toute possibilité, enfin ça va me couper un certain nombre de possibilités de quête auprès des autres factions, donc. Et c'est pour ça que je dis, je vais probablement. Guérison fois 1. Ah oui, c'est quoi ça? Donc c'est pour ça que je dis que je vais probablement changer de zone. Ah ouais, mec, non, c'est pas trop ça. Parce que. Oh mec! Parce que je pense qu'au niveau quête, j'ai relativement fini avec les berserkers là. Et qu'il va être temps d'aller côtoyer d'autres gens pour avoir d'autres quêtes. Alors j'ai eu un truc, c'est guérison. Concrètement, guérison, c'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est. C'est où guérison? C'est un sort. Les sorts, ils sont où? Ah, c'est là, c'est magie. Cet objet ne peut être vendu. Sorbe albe de guérison à usage unique. Ouais, donc c'est comme une potion, quoi. Sauf que ça peut le faire sur tes potes. Notez le cooldown, 40 secondes sur guérison, c'est abusé. Abusé. Mais qu'est-ce qu'un sort albe foutait ici? Vous voyez, quand je vous dis que l'exploration est récompensée, qu'elle est très gratifiante sur ce jeu. Bon, là, j'explore, je trouve du PQ, c'est pas aussi gratifiant que. Voilà, mais. Bon, voilà. Voilà. Je veux dire. Je me suis baladé et
Et c'était sympa. J'ai absolument pas avancé dans l'aventure, j'ai pas fait le moindre point d'expérience, j'ai rien foutu, mais c'était sympa. J'ai fait 3 potions d'Ilex. Et avec ces 3 potions d'Ilex. Je vais pouvoir prendre des points de force d'ailleurs. Ok, est-ce que j'ai des points de compétence? Comment sais-tu si tu as des points de compétence? Bah, en allant sur l'onglet des compétences. C'est un truc fou. Je n'ai pas de points de compétence. Ah, fais chier. Ça veut dire que si je veux apprendre puissance d'attaque, il faut que j'attende de level up. Mais à ce moment-là, si je prends ça, je ne pourrais pas prendre points de vie supplémentaires. Il me faut des putains de points de compétence, quoi. Il faut que je puisse crafter des grandes potions d'Elex. Et pour ça, il faut que j'aille miner beaucoup d'Elex. J'avais trouvé près de la zone de départ une mine d'Elex. J'ai glissé, chef. La 7e compagnie en action. J'ai glissé, chef. Oh. Oh merde. Holy fuck. Non, 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 non. Oh là là, oh là là. Oh là là. Je vais jouer boulet là tout de suite. Oh mec, tu grimpes par-dessus des pieux pareil. T'as pas peur, mon gars. Oh bah téléporteur. Moi qui me plaignais qu'il n'y ait pas de téléporteur vers Ragnar. Bah c'est pas du luxe, les gars, d'avoir foutu un téléporteur chez vous, hein. Bon, j'avais trouvé un lit la dernière fois, là. Enfin, tout à l'heure, la dernière fois. Genre, il y a 10 minutes, quand je suis rentré ici. Notez qu'ici, on peut se servir, hein. De manière fort libérale, hein. Avec tout le stuff, hein. Ouais, je regarde d'ailleurs s'il y a de l'alcool. J'avais trouvé un lit, bordel, quelque part par ici. Il est où? Electronic scrap. Ok. Là, je crois. Ouais. Parce que bon, là, comme en tombant tout à l'heure, j'ai perdu la moitié de ma vie, c'est un peu boulezor, quoi. Ok, bon. Ça étant fait, on va pouvoir partir à découverte du monde. N'est-il pas? Il y a des lexites là-bas. Non? Non, ce sont des fleurs. Ok, je crois que c'est de l'élexite. De toute façon, mec, t'es pas obligé d'y aller directement depuis ici, hein. La zone, la noob zone, elle est là. Moi, c'était en partant d'ici, grand ascenseur, j'étais arrivé là. Et dans ce creux par là, j'avais trouvé un. Un gisement d'Elex. Par contre, je crois pas que ce soit de l'élex brut que ça donne. Ça m'avait donné 20 élex. Salut Mason. Si tu vois Ray quelque part, laisse-moi savoir. Ray, mais ça fait partie des mecs à qui je dois parler pour l'assassinat, non? Dans cette quête, la quête de l'assassinat, là. Non, Ray, c'est pas, il fait pas partie. Les mecs à qui parler, ils sont. Bah, il y a Barin, qui est pas loin d'ici.
Après, Irdor, Géron et les deux autres, ils sont très très loin. Ils sont à Abessa en fait, Rock et Torgal. On peut essayer d'aller voir Beren. Me dit quelque chose, Barine. J'ai pas déjà rencontré ce mec. Oh, un défilé comme ça. Ça ne me dit rien qui va. Voilà, mon compagnon. Prends donc les coups à ma place. C'est tellement plus rigolo. Alors, bah voilà, j'ai eu des griffes, effectivement. Ça confirme. Holy shit! Cinquante XP, nice. Oh, beaucoup de plumes et des griffes, cool. Bon, aujourd'hui, j'ai envie d'essayer de me la jouer. J'esquive les coups avec le. Avec le jetpack, genre mode tout à fait cheap. Comme ça, je laisse tanker mon ami Falk. Bon, faut faire gaffe parce que Falk, il peut mourir. Hein. Il est clairement pas indestructible. Hein. Oh, c'est de l'or, mais. Si on pouvait avoir une petite mine d'Elex là en même temps, ça serait cool. Mais ne rêvons pas. Ça a l'air. Ça ressemble fortement à l'antre d'une bête ici. Eh ben si, t'as une veine d'Elexite, mec. Par contre, c'est pas des veines d'Elex, c'est des veines d'Elexite. Donc en fait, ça te rapporte de l'Elexite, pas de l'Elex. Oh! Ouais, tout de suite, c'est pas. Alors là-haut, il y a un groupe de gens pas joyeux. Donc on va pas forcément aller voir un groupe de gens pas joyeux. Pas sûr qu'il ait, que ce soit ce qu'il y a de mieux pour notre santé. Hein. D'aller voir ces gens. Alors, si on essaye de sortir par là, on arrive où? Un endroit tout à fait champêtre et sympathique. Il y a quelque chose là, c'est quoi? Ah, c'est toi, Barine? Who goes there? Are you a guard? Well, stop asking questions and answer them. Who are you? You're lucky I'm not an enemy. Well, you know it's not like the elves are going to attack these trees, is it? If there's one thing the elves know we got a lot of, it's trees. And it's not like these trees do much. I mean, they're not going to run away while I'm asleep, are they? Did Master Thorold send you? Is there something important? Because if not, just go, okay? What makes you think Thorold the Pilgrim sent me? When he was still the big boss up there in Goliath, he used to reprimand me quite often. I wondered if he was still keeping an eye on me. Still, whatever. I've heard he's retreated into study. Let him play with his magic. I hope it does save us. And while he's away, I have my peace and quiet. Toi, t'es un branleur, quoi. What do you know about Thorold's retreat? Not much. It said that he is working on a plan to stop the elves. It's something huge that will change the war in all of Magellan. Think it happened. The elves screwed.
Just like that. No idea what it is, though. But nobody is really allowed to talk about it. Well, then nobody even really understands what he's doing anyway. Where is Pilgrimthold? Well, that is confidential. Meaning, if anyone actually knows, no one is actually saying. Maybe he will figure out how to rob the elves of their magical strength, at least. Then good, honest warriors could go back to sleeping in nice, comfortable beds. Now there is a future that Magellan should be fighting for. Le côté ironique du personnage est quand même plutôt sympa. I need to ask you about Nascor's murder. I can't tell you anything about that. Not anything that's not being said already. He should have kept his head down like me. He can only get you dead. You should have picked this spot and stayed there. Why are you interested in this? Really? You look quite strong for somebody who's just standing around all day. Maybe. And? Have you been trained to use that sword? All berserkers are. You think I could survive out here if I couldn't use it? Did you know Ascor well? Since we were old enough to crawl, our parents were friends. We grew up like brothers. Ascor's body was found here. Can you see it? No. I know where he was found. But no, I didn't. And I'm glad I didn't see him. I wouldn't want to remember him like that. My duties keep me here most of the time. So I stay looking after my girls, the trees, making sure they stay safe. Where do you go when you do get away? Nearby. Not Goliath, if that's what you mean. I tend to stay out here these days. Where nearby? The lift into the Valley of the Damned. That's a good place to relax. There's quite the view of the valley there. It's a good place to let your worries just drift away. Tell me what you do know about the murder. Me? I only know what people are saying. But they thought Ascor had run away. But he hadn't. He'd been murdered somewhere out in the forest. I was out here at the time, on guard duty. Did anyone see you? Is there anyone who can give you an alibi? Hilda. She was with me all night. Her and Alva, and Dagny, and Erica, Freya, Garrett, Heggie, Magda. They're the trees over there. They're my girls. Very lonely out here. Uh-huh. So no, I have no alibi. I hope you find who did it. Maybe you did it. You knew him. You don't have an alibi. Well, why would I kill him? He was my friend. Why should I believe you? Because it sounds like you're doing something about this. Like you want to find out who did it. You should start with people who had a problem with him, not his friends. Your friend Ascor, what kind of man was he? Well, he wasn't a simple guy. He was my friend. Our parents were friends. We basically grew up. Ça, tu me l'as déjà dit, mec. Tu te répètes. That sometimes. Listen, it doesn't matter. Just forget what I said. Ambition could give a motive if he got in someone's way. Well, don't look at me. I'm happy where I am. I don't give a troll's ass about promotion. Ok, donc cet interrogatoire ne m'a absolument rien appris du tout, du tout. Mais ça m'a rapporté 200 XP, donc voilà. Les autres persos pour la quête sont relativement loin. Je vais garder sur la boussole, eux, mais après, clairement, effectivement, ils sont, à mon sens, trop lourds. Donc, je voulais aller par là, pour refaire un tour dans la noob zone. Mais, je vais faire une pause ici, pour l'organisation des épisodes. Ça, j'ai passé la matinée, il est 9h05 du matin, cool. Donc, je vais encore essayer de faire 3 autres épisodes dessus aujourd'hui. Donc je vais faire une pause et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.